Depuis plus de 10 ans, la noce bretonne le 15 août est devenue une tradition à Brélaise. La veille et tôt le matin commencent les nombreux préparatifs. Puis l'église se remplit pour la messe du pardon, suivie de la procession dans l'enclos paroissial. La noce commence alors. Les gens costumés se rassemblent à l'entrée du bourg. Le défilé se met en place et, selon une coutume ancestrale, les mariés du jour montent dans un char à dents. Et tout ce joyeux monde se met en branle au son des biniouz et des bombardes. Le bagage chargé d'animer les festivités ouvre la marche. Première halte de démonstration au bas du bourg. Les connaisseurs apprécient. Pour faire patienter les spectateurs qui se serrent un peu plus loin autour des barrières, le bagad donne un mini-concert. Bientôt, le cortège se ferait un chemin jusqu'à l'Arc de Triomphe. Nouvelle démonstration de gavotte et autres larribés.
Le cortège arrive finalement sur le terrain de sport. Place au gigantesque kick-a-farts. 1000 parts seront servies. On chante et on rit sous le chapiteau, pendant qu'une armée de bénévoles se faufile entre les tables, tout à votre service. Dans l'après-midi, démonstration de danse admirablement chorégraphiée. Pendant ce temps, vous pouvez déambuler dans la fête, vous arrêter chez le maître Vanier, vous initier au repassage des coiffes, ou à la broderie, ou au filage de la laine, ou encore, vous laissez guider dans les expositions et, si la littérature vous tente, faire la connaissance d'écrivains locaux. À 4 heures, si vous avez un creux, pourquoi pas une petite crêpe. La fête se poursuit par un festdays. À la tombée de la nuit, il fera place au festnoz. Si la trame de la fête reste sensiblement la même d'une édition sur l'autre, cela n'empêche pas chaque année des milliers de curieux, de touristes et de gens du pays de s'amasser le long du chemin suivi par le cortège ou de se retrouver sur le site de la fête. La vida, 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 la vida,